Aux quatre coins du terrain, une activité débordante, une efficacité absolue, une influence sur le jeu de l'aviron. Jamais Jean Moribaud n'a été aussi présent, régulier, brillant. Je ne me suis jamais senti aussi bien que maintenant. Voilà, je suis bien aussi dans ma tête. D'enfiler un autre maillot, ça ne se fait pas naturellement, même si j'ai choisi ce club, parce qu'au niveau des valeurs, c'était ça qui me correspondait le plus. Après 11 ans passés à Agen, le troisième ligne, originaire de la Linde en Périgord, infatigable, généreux, a trouvé sa mesure. Son rayonnement va même au-delà du terrain. C'est un joueur bien sûr très très important pour nous. Et c'est un garçon exceptionnel. Ogbi aussi, lui est une personne qui tout le temps il est dans le groupe, il fait de l'ambiance, il se fait respect beaucoup pour tout le monde. Il explose, il plaque partout, il court avec le ballon, il joue super bien. En plus, c'est un bon leader. Bayonné, après tout juste une deuxième saison sur les bords de la Nive, Jean Moribaud l'est à part entière, porté par la ferveur de toute une ville. Ça nous fait nous transcender. Et même après, dans la vie, je veux dire, les gens sont vraiment sympas avec nous, mais on sent vraiment qu'il y a cet amour pour le rugby ici à Bayonne. La rivalité Bayonne-Biarritz, Jean Moribaud ne la ressent pas. Au contraire, elle lui offre l'opportunité de retrouver son meilleur ami, ancien coéquipier à Agen, au BO. Moi, je suis très content d'être venu ici et en même temps, j'ai retrouvé mon meilleur pote, meilleur ami, voilà. Donc, ça permet, après le rugby, de se retrouver autour d'un café. C'était un peu la plage cet hiver, c'était un peu proche du feu. Et désormais, pour se fondre totalement dans le décor bayonnais, Jean Moribaud n'a qu'un souhait, le maintien de l'aviron en top 14.